Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy Angel. Et aujourd'hui, je vais te donner la quatrième clé pour atteindre ton plein potentiel. Et cette clé s'appelle « Tes valeurs doivent être au même niveau que tes attentes ». Je répète, tes valeurs doivent être au même niveau que tes attentes. Je me suis rendu compte que la majorité des gens veulent certaines choses, mais leurs valeurs ne sont pas au même niveau que leurs attentes. Waouh, ça c'est fort. Ça a l'air aussi simple que ça, mais c'est important. Il est très important que tes valeurs soient au même niveau que tes attentes. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à mettre le plein potentiel pour l'avoir. Ils ne sont pas prêts à mettre l'effort pour l'avoir. Ça veut dire que leurs valeurs ne sont pas au même niveau que leurs attentes. Je rencontre pas mal de personnes. Tout le monde veut être prospère, tout le monde veut être grand, tout le monde veut être quelqu'un plus tard, tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut être grand. Mais le problème qui se pose, c'est que quand je pose la question à ces personnes-là, je leur dis que mais le problème, tu veux être grand, mais tu crois plus au sommeil qu'au travail. En fait, tu aimes plus le sommeil que tu n'aimes le travail. C'est-à-dire que tes valeurs sont plus centrées vers le sommeil que vers le travail. Tes valeurs sont plus centrées vers le week-end, tu aimes t'amuser. Le vendredi, tu aimes t'amuser. Le vendredi, tu aimes aller dans des fêtes. Oui, c'est à toi que je parle présentement. Peut-être que tu es dans tes valeurs. Tu fêtes tous les week-ends, tu es à la fête. Mais le problème, c'est que tes valeurs ne sont pas au même niveau que tes attentes. Aïe, je pense qu'il faudrait que tu comprennes ça. Si tu veux être quelqu'un plus tard, tes valeurs doivent être au même niveau que tes attentes. Donc même s'il faut que tu sois grand, même s'il faut sacrifier les fêtes, même s'il faut sacrifier certaines rencontres, même s'il faut sacrifier les chillings, même s'il faut, tout ça, tu dois le sacrifier. Pourquoi? Parce que tes valeurs seront au même niveau que tes attentes. C'est très important. Et c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps parce que ta nature va toujours te rejoindre. Si tu ne t'assieds pas, si tu ne mets pas bien et que tu te dis, écoute, voici mes valeurs, je crois à la valeur du travail, je crois à la, voici les valeurs, voici. Oui, si ton système de valeurs dit que tu es plus un consommateur qu'un producteur, je comprends que tu dépenses plus que tu gagnes. Oui, tu es là en train de m'écouter, en fait, tes dépenses sont bien au-delà de ce que tu gagnes. Et tu es là, tu vis dans... Pourquoi? Parce que tes valeurs ne sont pas au même niveau que tes attentes. Mais ce que je te conseille de faire, c'est qu'il faut que tes valeurs soient au même niveau que tes attentes. Tu ne dépenses pas plus d'argent que tu ne gagnes. Tu ne vas pas devenir grand comme... Non! Tu n'es pas capable de gérer déjà le 1000 euros par mois que tu as. Tu ne pourras pas gérer 100 000 euros par mois, je suis désolé. Il faut que tes valeurs s'allient avec tes attentes. Oui. Donc arrête de perdre le temps. Vous savez, j'aime souvent dire quelque chose. Les gens passent le temps à acheter des choses avec l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Je crois qu'Angel, il ne fallait pas dire ça. Je répète parce qu'il faut que tu comprennes ça. Les gens passent le temps à acheter des choses avec l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas parce que leurs valeurs n'est pas au même niveau que leurs attentes. Alors aujourd'hui, si tu me comprends, mets tes valeurs au même niveau que tes attentes. Le travail, le respect. Ne crois pas plus en sommeil qu'au travail. Oui, tu dois perdre le sommeil quand il s'agit de travail si tu veux devenir grand, si tu veux atteindre ton plein potentiel. Alors si tu veux atteindre ton plein potentiel, mets tes valeurs au même niveau que tes attentes. Et je te garantis que tu vas atteindre ton plein potentiel. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas, valeurs, attentes. Valeurs, attentes. Il faut que tes valeurs soient au même niveau que tes attentes. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Je te garantis que tu ne vas pas y arriver. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vais vous donner la cinquième clé pour atteindre votre plein potentiel. C'est très, très important. Allez, peace out.